Avec le 2014, nouvelle couleur pour le siège, mais c'est pas juste ça que je remarque le mois dernier. Je vois qu'on a un dossier maintenant, on n'a jamais eu ça. Exactement. BRP a développé un dossier pour les 2014. Donc, on remarque une des caractéristiques, c'est qu'il pivote vers le devant pour faciliter le passager pour embarquer. Je vais vous faire une démonstration pour l'enlever puis le remettre. On va voir que c'est très facile. OK. Fait que communiquer ou juste lâcher un téléphone à Louis, j'aurais pu dire. Oui, j'aurais été capable de vous dire très rapidement. Danny, j'aimerais ça que tu nous parles de la position assise maintenant avec un dossier. Est-ce que ça change de quoi? Moi, je trouve que ça l'améliore beaucoup la conduite pour des longues distances. Okay. Avoir un support lombaire permet de reposer les épaules quand on conduit. Moi, je peux en témoigner parce que je fais souvent du 5000, du 8000 km. Puis d'avoir un dossier, là, je me sens moins fatigué, moins besoin d'arrêt, moins stressé parce que mon haut du corps est plus relax. Ça me permet là, d'être plus éveillé puis d'être moins stressé sur la route. Ça fait que un gros point, puis je pense que la compétition va le ressentir parce que définitivement, je pense qu'à chaque fois qu'il va y avoir un RT qui va sortir, je le vois avec un dossier, moi. Avec le 2014 aussi, rumeur dit que je vais faire 400 km avec un réservoir d'essence? Oui, 400 km, c'est sûr qu'avec une vitesse constante, raisonnable, là, 325 à 125 et plus. Moins raisonnable, 325, raisonnable, 400. Puis en fin de compte, tu me dis, à 100 km à l'heure, je tape mon 400 km pas loin. Oui. Puis avec mon moins raisonnable, mais dans la limite permise, je vais poursuivre mon 325. Exactement. Puis on constate toujours les conditions d'environnement. Si on a une remorque, si on est bien chargé, toutes les valises, on rajoute du poids, ça va jouer. Mais c'est sûr qu'on a une autonomie améliorée grandement depuis l'année passée. Les gens vont dire, oui, mais c'est sûr qu'il fait plus de kilométrage parce que son réservoir d'essence est plus grand. Parce qu'il est plus grand, de combien, j'imagine, tu vas pouvoir me le dire. Mais aussi, c'est-tu à cause de ma sixième vitesse? Il y a d'autres facteurs là, qui aident avec ça. C'est ça. C'est sûr que le réservoir, on a réussi à le grossir de 2 litres. Donc, on a 2 litres de plus au niveau du réservoir. Le moteur, la sixième vitesse, le Eco Mode aussi, qui est un grand avantage, qui vous permet aussi d'avoir un affichage, de dire quand que c'est le bon temps d'augmenter les vitesses. Ça nous met toujours dans des conditions optimales pour l'économie d'essence. Puis, ça aussi, ça a un effet sur... la réponse de l'accélérateur, c'est plus progressif, c'est moins direct, c'est moins linéaire, c'est plus progressif. Donc, on a une conduite plus tamisée, plus relaxe. Puis c'est sûr que ça l'aide au niveau de la consommation d'essence. Puis c'est sûr qu'en sixième vitesse, à 100 km/h, à 3300 tours minute, ça l'aide à sauver de l'essence, là. Sur les longues randonnées, ça va être apprécié parce que moi, je suis quelqu'un habituellement qui fait de la longue distance. Fait qu'en faisant de la longue distance, je vais pouvoir arrêter, mais que je sois fatigué, non, parce que j'ai besoin de gazer. Avant, il fallait que je combine les deux. À mon 200 km, je checkais pour ma station de service pour être sûr que je manque pas d'essence à quelque part. Mais là, je vais pouvoir pousser le 300 et plus. Fait que moi, premier, merci beaucoup. C'est grandement apprécié. Absolument. Ça va être avantageux pour tout le monde, faire plus de route. En sommaire, Danny, il y a une chose que je voudrais qu'on parle avant qu'on termine l'entrevue. Parle-moi des entretiens. J'ai entendu, je ne connais pas tout par cœur, je vais avoir besoin d'un petit peu ton aide. J'aimerais ça comprendre. On me dit que sur les entretiens, les changements d'huile, le consommateur, le client va économiser sur le long terme parce que les fréquences ne sont pas les mêmes. Peut-être juste élaborer là-dessus un petit peu, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Fait que premièrement, le premier entretien que sur les 991 était à 1000 km, sont maintenant rendus à 5000 km. Donc, le premier entretien, 5000 km. Ensuite, les changements d'huile et les entretiens subséquents sont à 15000 km. Donc, oui, 15000 km, une grosse différence. Les bougies, c'est à 50000 km qu'on va changer des bougies. Filtreur à l'air à 22000. Après ça, on n'a plus d'ajustement des soupapes. C'est tout des soupapes avec réglage hydraulique. Donc, on ne touche plus aux soupapes de ce moteur-là, c'est fini. C'est des gros avantages. Puis, côté transmission, le filtreur de transmission, c'est aux 50 000 km. Donc, c'est toutes des choses qui vont permettre aux clients de sauver sur l'entretien, puis de rouler plus. Plus d'essence, plus d'économie d'essence, plus d'économie d'entretien.
Je suis en train de changer pour un 2014, c'est ça qui se passe, c'est ça, hein? Je pense que tout le monde devrait changer pour un 2014. Tout le monde qui me connaît savent que je suis un gros amateur du spider. Je fais mon travail parce que je suis un passionné. Fait que mon intégrité est beaucoup pour moi, mais quand j'ai vu 2014, moi, j'ai eu la chance, avec mon père et mes amis, d'avoir ça pendant une journée de temps. Et je vais dire, avec toute l'intégrité que vous me connaissez, si un moment où quelqu'un conduisait un RT 2010-2011, puis vous attendez pour changer, la nouvelle génération est de toute beauté. Le moteur, le torque à bas régime, pour moi, ça me fait capoter, ça me fait passer d'être sur motoneige, tu pèses, puis ça part tout de suite. Fait que l'agrément, la suspension, chaque souci, dans les tournants, moi, j'ai vu la différence. Je suis un gros bonhomme, puis j'ai vu la différence. Au niveau de la suspension, au niveau du moteur, on finit, j'ai pas posé la question, mais au niveau de la garantie de base qui vient avec le Spider quand on l'achète, on a combien d'années? On parle d'un 24 mois, donc 2 ans de garantie complète. Et on peut aussi rajouter de BRP, la garantie best, jusqu'à 3 ans supplémentaires. Fait qu'on parle d'un véhicule récréatif qui a une garantie possible de 5 ans total. Dans le récréatif, c'est dur à battre parce que moi, je connais d'autres modèles, puis on ne retrouve pas ça tout partout, là. Exactement. Le BRP est très fier de son produit, puis on va le supporter au travers des années qu'on a besoin. Danny, je te dis un gros merci. Je suis content, puis je vais aller voir les 2014 en privé.